analyse ça pour croire. Amen. Dans l'avion, j'étais bien. J'ai passé une nuit à Nairobi. J'ai pris l'avion le lendemain. J'ai vu beaucoup de gens dans l'avion. Notamment les gens de chrétiens du dernier jour. À bateau et dernier jour. De Mormon. De Mormon. Le Seigneur m'a dit, parle à cet homme-là qui était dedans. Là, on avait atterri à Brazza pour un temps. Et si quand papa est côté de Brazza, pour le bouger, j'ai hésité. Mais moi, je permets que tu sois ici pour que tu parles à cet homme. Pour la nuit, et puis j'ai appelé l'homme. La bénie de mon frère, viens un peu. La bénie de qu'est-ce qu'on a écrit ici? Il était tout fier. Bah, comme il y a un. C'est là qu'il est job. Oh, vous savez, je dis, ok, moi là, le Seigneur a permis que je vienne du pays où ceci a commencé. Alors, quand il y a un bas, 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 il y a un bas. Tu as peut-être juste tu as sauté dessus, mais tu ne sais pas ce que ça signifie. Oyambi yango kasuyebite yango la kisini. Dis-moi un peu la doctrine de Mormon. Ayebi sangwe beaucoup na kuisa nini. Mon frère, il commençait, mes frères, mes soeurs, il commençait à trembler. Nikomane ki kolenga mukano. Et le Seigneur a mis des mots dans ma bouche. Ola ti maluba na kati lebi bimo nanga mukano. Que cet homme a considéré. Omo tu asusula ki. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Je voudrais me repentir devant vous. Amen. Amen. Vous savez, quand le Seigneur te place dans la position pastorale, ce n'est pas pour laisser passer le péché comme ça, pour laisser passer et vous participer même au mal. Je voudrais me repentir. Et toutes les fois que je n'ai pas bien tenu compte de ma position. Il nous arrive tous de rire quand il y a une, des gens là sont en train de raconter des choses. Et qui aussi? Ah, et comme il a dit, c'est un peu plus grand que je suis en train de. Là, ça veut dire qu'on ne connaît pas sa position. Il y a un peu. Bien-aimé, en tant que pasteur, si je ne connais pas ma position, je veux me conduire. C'est comme ça qu'on dit, je me conduis. Je veux me conduire dans l'église. J'aurai des copines. Et là, j'oublie la position. Ah. C'est comme ça que beaucoup de gens oublient leur position. Je vais même me divorcer. Et épouser une autre femme. Et là, j'oublie ma position. C'est comme ça que beaucoup de gens autour de nous se refroidissent. C'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu l'espoir, ont perdu l'intérêt pour les choses de Dieu. Parce qu'ils te voient toi dans la position que tu occupes. On ne fait pas les choses proprement et correctement. Oh mon bien-aimé, tu es peut-être enfant de Dieu, mais tu es en train de mélanger les choses. Tu es chrétien, c'est ça la position que Dieu veut que tu sois, dans laquelle tu sois. Mais tu es en train de toucher à la sorcellerie. Oh mon bien-aimé, là tu ne comprends pas ta position. Il y en a qui parlent même en termes de protection, c'est pour nous la protection. Oh mon bien-aimé, le Seigneur a protégé mon doigt, ça devait se couper. Vous savez, quand j'étais coincé, les doigts étaient rétrécis. C'était comme ça, rétréci. Il y avait le sang partout. Partout c'était vert. Vert. Alléluia. Amen. Et quand je m'apprêtais à aller prier quelque part, la position que tu as, cette position-là, il faut la connaître. Et ainsi donc, tu sauras dire, je suis au milieu de mon peuple. L'ambassadeur, quelque part, il sait qu'il est ambassadeur. Alléluia. Amen. Le chrétien, il sait qu'il est chrétien. Ta position, bien-aimé, ne te permet pas de garder les choses dans le cœur. Ta position en tant qu'enfant de Dieu ne te permet pas de ne pas pardonner. Ta position ne permet pas que tu puisses participer au mal. Ta position. Dieu a voulu que tu sois comme ça. Au contraire, si toi tu ne comprends pas le sens de ta position ici, tu seras comme ça. Au contraire, tu seras comme ça. Au contraire, tu seras comme ça.
Mon bien-aimé, tu sais peut-être dans cette église. Si tu ne comprends pas le sens de la position que tu as dans cette église. Je veux que ce soit dit dans mon église au début. Ma péka, ma djunda. Tellement important. Et que si toi tu ne vas là, rien ne va aller. Ne descends pas, rien ne va aller. La Bible dit ceci. Il fait prospérer entre les lèvres de l'éternel, entre semer l'œuvre de l'éternel. Dès que tu comprends la position, peut-être que tu es dans une position d'intercesseur. De quelqu'un qui est en train de répandre son cœur. Et tu n'as même pas besoin que les gens sachent que tu pries pour cette heure. Mais le Seigneur voit cette position. Comme il voyait la position d'Abakouk. Abakouk dit, je ne quitte pas ma position. Je vais répliquer à Dieu. Je vais voir ce qu'il va me dire. Abakouk prie. Abakouk a Martin, tu es peut-être dans cette position. Mon fils, si tu ne comprends pas la position, le sens de la position que tu occupes, tu vas marchander cette position. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Esaïe ne pouvait pas comprendre la position de Ness. Esaïe pouvait pas comprendre la position de Ness. Atekaki. Mon bien-aimé, la position que tu occupes. Elle est tellement précieuse. Et que par toi, la faveur de Dieu va traverser. Ta position, bien-aimé. Et si toi, tu es avec quelqu'un comme ça, il faut l'aider. Parce que ta position, bien-aimé, dans l'église, on réconforte, on se réconforte. Il faut pas que quelqu'un qui est déjà abattu, mais puis qui vient. Depuis toi, peut-être. Non, ça, c'est pas la position. Voilà pourquoi tu es en train de perdre ta position. Et voilà pourquoi cette nation a des problèmes. Amen. Parce que nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas notre position. Pour un coca, on peut vendre sa foi. Combien de gens se sont-ils enrôlés dans cette nation ici dans l'occultisme à cause de besoins matériels? Ils n'ont pas compris le sens de leur position. Pour une voiture, combien de gens n'ont-ils pas vendu leur âme? Pour une position dans une société, combien de gens n'ont-ils pas vendu leur âme? Je veux parler au mari. Tu es dans la position de ton mariage. Ozali ne parle pas. C'est pas pour le divorce. Et Ozali pour la concubinage. Tu es marié. Le Seigneur t'a mis là-bas dans cette position. Il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alors, oh, aujourd'hui, mon bien-aimé, il faut que tu te réponds. Yambola. Le protocole dans cette église. Ah, bah, protocole dans cette église. Imagine, tu es dans cette position-là. Et tu es en train de maudire l'œuvre. Alléluia. Vous voyez un peu. Nous allons voir quelque chose. Lisons 2 Rois chapitre 4. Oh, dans la soupe. 2 Rois chapitre 4. Verset 8 à 14. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 14. Amen. Amen. Mais les gens qui ont une certaine position disent Amen. 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 Tant que ce va passer, position dans la position à chômage, bon, on va l'amener. Et sa position est un temps. Amen. Un temps pour le côté au Kuna. Amen. Avec ça, la bonne. Amen. Il y aura toujours ça, la danse profite. Amen. Au passé, dans la célibat. Dans le cas, prière à ma casse. Aux âmes de la parole, on a l'impression à l'Iroma. Amen. C'est la parole qui délivre. Amen. Merci pour la carte. La Bible dit,
tu te sens, tu es lavé, tu es clean through the spoken.